Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de Minecraft Hardcore. Un nouveau monde. Bon, j'ai un petit peu avancé en off. Vraiment pas beaucoup, juste histoire, voilà. Nous avons le signal. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons eu vent de ce qui se passe sur cette chaîne. Rien, ni personne, même vos enquêtes, ne mettront un terme à nos projets. Vous, qui imaginez des théories toujours plus farfelues, avez-vous raison, avez-vous tort? Pouvez-vous le prouver? Rien, pour l'instant, aucun indice ne vous montre que vous avez raison. Aucun indice ne vous montre que vous avez tort. Mais je vous en conjure, arrêtez au plus vite vos activités. Sinon, d'énormes problèmes s'opposeront à vous. Rien ni personne ne pourra nous arrêter. Nous sommes ici pour des raisons précises. Et celles-ci ne vous concernent absolument pas. Pardon le contact. Je reviendrai. Si le dénommé Togmar sur... Dans quelques plantations. Un peu mieux organisé, d'avoir un peu plus de chèvres. Voilà, j'ai rien fait de particulier, mais juste un tout petit peu avancé, histoire de pas avoir à faire ça pendant les épisodes. Objectif de l'épisode, c'est quoi? Il faut rapidement se faire une table d'enchantement pour enchanter stuff. Donc je vais retourner miner, et après, deuxième partie de l'épisode, ce sera dans la même vidéo, explorer un peu la map. Oh putain, eh bigo, bigo bigo. Hey. What? Vas-y, meurs. Va en enfer, vent de Dieu. Alors j'avais entendu ici là des zombies. Bah voilà. Il y a moyen que ce soit un donjon. Hein. Pourquoi c'est abusé? Ah, eh oui. Ouais, il y a bien un donjon. Hein. Ah putain, c'est incroyable. Le nombre de donjons qu'il y a, c'est un truc de fou. Quoi. Bah on va tous les buter, on va voir un petit peu le stuff qu'il y a dedans. Ok. Ici c'est pas mal. Oh bah. Salut toi. Allez, allez, venez vous battre. Venez vous battez, vous. Tac. Est-ce que si je fais ça, ça va les empêcher de spawn? Oh, y'en a. What? Vois tout ce qu'il y a. Mais vas-y, mais toujours plus. Par contre, là, niveau XP, ça va être intéressant. Hein. Par contre, mon épée, elle va jamais tenir. Hein. Pouah, mais tout ce qu'il y a de zombies, quoi. Allez, mourez. Mourez, pauvre fou. Mourez. Allez, en enfer. Voilà. Ah, ça dégage. Ah, ça spawn encore. Oh non, pas lui. Ah, ils sont horribles ceux-là, là. Les bébés zombies, là. Cassez-vous. Cassez-vous, bébés zombies. Ça spawn encore ou pas, là? Eh oui, ça spawn encore, mais c'est pas possible. Ça sert à rien de mettre une torche dessus. Yo, les gars. Venez regarder, je suis là. Vous vous battre un peu là, pas peur de vous moi. Eh par contre vous avez intérêt à avoir du bon stuff dans les coffres. Faut que je risque ma vie comme ça là. Bois de la ficelle, ok, poudre à canon, c'est pas mal. Ah. What? Merde. Ah oh, mes balles, mais quel con. C'est quoi ça? Graine de citrouille, vas-y je prends du fer, de ça. Et là je prends le coffre aussi, hein, quand j'y suis. Ok, ah oui non mais en fait l'objectif c'est d'aller chercher du diamant, c'est vrai. Alors chacun quelle couche? Couche 43. Ah oh, j'y suis pas du tout hein. Capture d'écran, non, je me suis trompé. Couche 43, bon bah écoutez, on va tout simplement creuser comme ça, voilà, par là. Allez, c'est parti. J'y vois que dalle. C'est tout noir, tout noir. Il y a un truc là-bas, là. Il y a un qui vient vers moi, là. Je t'ai vu, hein. Il était là-bas. Tu couches combien, là? Couche 26, je suis pas très loin, en vrai. Ça c'est pas du diamant, hein, si vous posez la question. Faut vraiment que je fasse attention, hein, sérieux. Genre il peut y avoir n'importe quoi à n'importe quel moment. What? Bah genre lui... Oh il y a du diamant là. Mais j'ai vraiment peur en fait. J'ai vraiment très peur. Parce qu'il y a vraiment des ennemis qui sont hyper puissants. Hein. J'espère que ça va être un bon filon. Ah ce serait bien, genre allez 4-5 ça serait vraiment le top. 1. 2. 3. Oh mon dieu. 4. Mais what? Mais c'est quoi ce filant de ouf? Oh le putain là, mais what? Ça s'arrête jamais. Ok, j'en ai quand même 11. 11 diamants. Ah ouais, pas mal. Ok, bon, pas mal du tout. On va prendre ça aussi là, ça permet d'enchanter.
les objets. Très bien. Et il y en a beaucoup, hein. Les filons sont super gros. La redstone, en vrai, on s'en fout un peu, mais bon. Écoute, on va en prendre quand même. Ok, j'ai plus de pioche. Pas grave, on en reprend. En vrai, le fer, je le prends pas, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Il y en a beaucoup déjà. Je le reprendrai quand j'en aurai besoin. On va reprendre ça. J'ai déjà 11 diamants. En vrai, c'est pas mal du tout. Eh ben, elle est juteuse cette caverne. Ce qu'il nous faut, c'est encore du diamant. On va faire une petite armure en diamant quand même. Hein. Tant qu'à faire. S'il y en a encore, en vrai, ce serait cool. Il y en a là. Mais il y en a beaucoup, ça a été augmenté ou quoi? Oh, il y a de l'or là. Oh, il y a... What? Il y a du méchant. Ah, ça c'est très dangereux, vous voyez, je pouvais pas remonter. Très dangereux de pas pouvoir remonter derrière soi. Si on se fait attaquer par le zombie et qu'on peut pas remonter, vraiment, c'est la crise. Mais va te faire foutre! Bah, c'est de la merde, mon flingue. Il a explosé. What? Il m'a lâché des balles. Toi, par contre, t'es nulos. Connais. What? Il a un fusil, vu. Oh. Calme-toi, frérot. Ça, c'est cool, bébé. Trop dangereux. What? What? Toute la vie qu'il m'a enlevé, quoi. C'est hyper dangereux, cet endroit-là. C'est un truc de fou. Eh, les ennemis, ils rigolent pas. C'est abusé, hein. C'est vraiment abusé comme ils sont forts. Putain, ouais, direct. Direct, il m'aura de travers. Ouais, je vais le fumer comme ça, hein. Paf, je suis là, je suis partout, gros. Je suis partout, regarde ça. Je suis là. Toi, t'es nul, toi. Je suis à droite, je suis à gauche, je suis en haut, Toi, vas-y, toi, dégage. Et toi, jamais tu meurs, en fait. Et il est mort. Ok. C'est un peu chaud quand même, hein. Ah, et par contre, la récompense. Encore du diams. J'ai combien de diamants? 36 diamants. Putain, on est bien. On est vraiment bien. Il y a encore de l'or ici. C'est pas grave. J'en ai combien d'or? 45, c'est pas mal. Il me faudrait vraiment un lac de lave. Je crois que j'en ai entendu par ici. Mais c'est un lac tout court, en fait. Depuis quand il y a des laves tout court? Des lacs tout court? Ouais. Il y a encore un donjon ici. Mais c'est incroyable. Bon, on va y aller, on va les bolosser. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Venez, vous voulez prendre votre déculotté? Venez là, voilà, allez, ça part. Ça part, les Zombax. Zombax Max. Allez, bim, bam, boum. Ça fait tiquer, ça fait boum. Bim, bam, boum. Allez, dégage. Tiens, petite loupiote. Voilà, dans tes dents la loupiote. Allez, toi, ça, par contre, là, je vais pas tout garder. Alors, ouais, pas mal. J'ai. Oh, des livres enchantés. Infinité! Oh là là, mon dieu, trop bien! Pour un arc, c'est la bombe, ça. Et là, il y a quoi? Poudre à canon. Oh, c'est bien, ça. Très bien. Graines de betterave. Bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout. De la redstone. Très bien. Et le reste, on s'en fout. Allez, ciao. Ok, et du coup, il me faut mon lac de lave. Alors, je viens d'où? Je viens de là-bas. Très bien. Je veux mon lac de lave. What? Me fais tirer dessus! J'ai sursauté! What? C'est malade! C'est malade, il y a un malade derrière moi! Qu'est-ce que c'est que ce fatra? Eh, toi! Oh non, ça va, c'est une merde. Oh, il m'a fait tellement peur, quoi! Bah, ça va, t'es pas prêt quand même, c'est chaud. Hein. Vas-y, viens! Voilà, ça, hop là. Écoutez, je trouve pas de lac de lave. Hein. Vraiment, je pense que je vais remonter. Hein. Je vais remonter, je vais déjà faire fondre tout ce que j'ai. Et on va partir en expédition. Et après, la table d'enchantement, on verra plus tard. Hein. Parce que là, je ne trouve absolument pas, quoi. Je comprends pas pourquoi. Peut-être en allant par là-bas, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, tiens, une petite émeraude, allez. On prend. On va prendre un petit peu de... Allez, vite fait, là. Ah,
diamant. Me fait tirer dessus. What? J'étais à un HP. Un demi HP. Un demi HP. On va remonter direct. Hein. J'ai plus de bouffe. Vraiment, vraiment, on risque de crever à n'importe quel moment. C'est vraiment hyper flippant, quoi. Alors, pomme en or, 3. Voilà, nickel. On va se mettre ça à la place de la carte. Bon, c'est vrai qu'on est parti directement à la guerre, mais je vous ai pas montré à l'extérieur. Alors là, il y a un Pachi. Il va clairement mourir. Voilà. Il y a ça, là. Ça dégage aussi. Voilà. Il y a mes chèvres. Qui sont là, j'ai tué les moutons, parce qu'ils servent à rien, tout simplement. J'ai planté un petit peu de canne à sucre ici, voilà. Hein. Comme ça, ça me fera un truc facile à récolter. Très, très bien. Ensuite. Non, 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 tu vas où, la chèvre? Eh, casse-toi. Casse-toi, va avec les autres. Mais non, mais tu vas où? Mais t'as craqué. Mais elle s'est barrée. Mais quoi? Mais non, mais... Ah, et toi, arrête de gueuler, là. C'est pas vrai. Ta gueule. Ta gueule. La chef, tu fais quoi? Attendez. J'en étais où? Bon, alors, pendant que j'y suis, vite fait. Je vais faire pousser mon blé, là, vite fait. Voilà, 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 voilà. J'ai une chef qui s'est barrée. Je voulais vous montrer aussi le reste, mais... Oh là 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 là. Avec le bouclier, c'est pas très pratique, hein. La chef, pousse-toi. Pourquoi il y a un mouton, là? Dégage. Donc ce que j'ai fait, c'est... Bon, j'ai planté un petit arbre ici. J'ai planté un petit canne à sucre ici. Je leur ai fait un petit enclos. Voilà, pour qu'elles se mettent à l'abri, les chèvres. Hein, mode RP, hein, évidemment. Mais c'est pas tout. Et ensuite, j'ai fait, voilà, un petit système de rivière ici. Avec aussi de la canne à sucre par ici. Et en gros, ça me permet de coincer les dinosaures et de les buter, tout simplement. Les dinosaures, pour l'instant, je tue pas mes chèvres parce que... Bah, il faut qu'elles se reproduisent assez... On a assez grande quantité pour pouvoir les tuer, donc pour l'instant je tue les dinosaures qui sont à côté de chez moi. Pour avoir de la bouffe, voilà j'en lui. Allez, paf. Voilà, c'est bien d'avoir été ramené à la vie, mais au bout d'un moment ça suffit, toi. Ça, on dirait une iguanodon, hein. Allez, paf, l'iguanodon. T'as été ramené à la vie, mais tu repars aussi. Oh, il y a un concavenator là-bas. Incroyable. Toujours de la bouffe. Tac. Ah yes, de la viande de... Hybride. Néo, va, je sais pas quoi. Iguanodon, voilà. Iguanodon, hein. J'avais dit. Et ça, concavenator, 100%. Carcarodontosauridé, ok. Ouais, bon, c'était un conca. Hein. C'est clairement un conca. Hein. On va voir un peu ce qu'il y a comme dino en vrai. Hein. Stégosaure, ça là-haut, c'est des allosaures, ok. On va les buter. Hein. On va les buter, c'est des menaces en vrai. J'ai pas envie d'avoir un point de vie et tout simplement de me faire buter par un allosaure qui me tombe dessus. Donc, bah écoutez, c'est terrible, mais on va faire place nette. Hein. Je vais y aller. Il me vient dessus, lui. Ouais, tu veux quoi? Tiens, malade. Allosaurus, eh ouais. Toi, pareil, allez, de la bouffe. Toi aussi. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Platéosauridé. Ça, c'est quoi, ça? Paf. Comme ça, tu arrêteras de gueuler un peu au-dessus de chez moi, là. C'est bon, on est mort. Voilà, très bien, les chefs, vous restez en vie. Toi, là-haut, pareil. Allez, ça dégage. Faut continuer, on est mort. Voilà, toi aussi, là. Herrera, ça dégage. Paf. Voilà. Y'a qui, là? Y'a qui encore qui veut sa dose? Le stégosaure, je te dis, je vais te tomber dessus, mon pote. Paf. Voilà. Bon. On a un peu vrillé, mais bon, c'était... Y avait trop de bruit et c'était trop dangereux, toutes ces bestioles à côté de chez moi, là. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a quand même un bon stuff, on a tout, on va commencer à faire l'exploration. Je pense que, pour être organisé, je vais partir du sud de l'île et je vais remonter. Je vais remonter au nord. Je vais remonter après. Je vais partir de là-bas. Et je vais tout remonter au fur et à mesure. Quand même, avant de partir, on va se faire une petite enclume. Maintenant, on fait ça plus ça. Très bien. On va se mettre ça là. C'est top. Niveau bouffe. Ok. Ensuite, ce qu'il me faudrait, c'est... il me faudrait quand même quelque chose d'assez important. Hein. Assez important, c'est ça. Un sac à dos. Je crois que c'est comme ça. Hélène. Yes. C'est petit, mais ça va. Alors. Très bien. Bon, bah écoutez, on est bien là. On va se prendre, évidemment. On va se prendre le Kalash, même s'il n'y a pas trop de balles. La Thompson. On va se prendre des flingues. On va se prendre des flingues tout simplement. On va les mettre là. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est prêt. Hein.
Ça y est, on a tout ce qu'il faut. C'est parti, on va se remettre le bouclier et on y va. On a suivi la côte, on a tout ratissé. Il faut trouver tous les secrets de cette île. Enfin, j'ai envie de dire. Et tous ces dinosaures là, allez, pop, ça dégage. Mais oui, toi là, tu veux quoi? Non, mais c'est de la bouffe, hein. C'est de la bouffe, c'est de la bouffe. T'inquiétez pas, je suis pas un assassin. Ok. Et toi, rends pas fou. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux en fait? Oh mon dieu, mais. Et j'ai fait 3 mètres! Je viens de là, j'ai fait 3 mètres, regardez l'enfer que c'est quoi. J'ai plus de vie. J'ai déjà plus de bouffe. Mon inventaire c'est déjà le bordel. J'ai un hélico au-dessus du front. Là-bas il y a une base, mais la base c'est mort, je peux pas l'attaquer la base. Ok, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Us! Voilà, c'est bon. On s'infiltre dans la base militaire. Y'a personne dedans? Ok, nickel. Ok. Oh, y'a un lit ici. Tiens, je le prends. Allez, hop, on met ton lit. C'est quoi ça? Ah, c'est un four! Ah, bah super! Ah, mais j'ai pas de. Ah, bah y'a du charbon là. Bon, on va faire vite fait ça, on verra ce qu'il y a dans le coffre après. Par contre, il m'a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Des balles. Bandit Pants. Mauve Speed plus 12. Veste de bandit. Mauve Speed plus 12%. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment pas mal. Anti-Rad. Oh, c'est truc anti-radiation. Ah, ouais, quand même. Il y a des trucs anti-radiation. Heavy Close. Ok. Rubber Bass. Ça, je prends. Ok. Bah, écoutez. Hein. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mon sac, oh, c'est le bordel mon inventaire, mais c'est un délire. Et bah écoutez, on va se battre. On va se battre. Ils sont où? Ok, c'est quoi ça? What? Espèce de taré, va. What? Ils sont vénères, ils sont vénères. Oh, il m'a enlevé la moitié de ma vie en un coup. C'est des malades. Il y a quoi d'autre dans les coffres là? Ouais, il y a tellement de trucs. Je pourrais jamais tout prendre en fait. Oh là. Tiens, donne-moi ta torche là. Je pourrais jamais tout prendre, c'est impossible. Ouais, tiens, vas-y, coup d'épée, toi. Oh. Ouais, c'est trop fort. What? Mais calmez-vous les gars, oh. Oh là. Coup d'épée dans votre gueule là, tiens, ouais, prends ça dans ta bouche toi. Toi aussi. Oh là. Tiens. Voilà, vous allez voulu m'assassiner? Voilà, dans ta tronche. Ils ont d'avoir des putain des super armes hein. Ouai. T'es où toi? Viens là. Il a un colt. Lui il est nul. Sous fifre. C'est mort tout ça. Il y a tellement de trucs. Oh. Il y a trop de trucs en fait. Magazine incendiaire. Radiation. Il y a plein de trucs. Je sais même pas à quoi ça sert. Des balles. Ouais je prends. Magazine. Ouais, ça c'est tout pour les flingues. C'est quoi? SMG magazine. Ok. Ça peut être intéressant. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Où je peux mettre les balles ici en fait. Ça me permet de stacker un peu plus. Bon, je sais pas s'ils respawn en vrai. Hein. Bon, écoute, on les a dépouillés quand même. C'est quoi ça? Repair? Ah bon, on peut réparer les trucs? What? Ça tire! Ok, j'ai pu recharger mon arme. Tu veux quoi toi? Wouah, ça il a explosé. Chacal. Il est où l'autre qui m'a sauté dessus là? J'entends un mec, il y a encore un gars là. Oh, il est là.
Chacal. Dégage. Voilà ça. Je m'embouille moi. Bon alors, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Repair. Can't repair this armor. One heavy close. Heavy close. Ah, en gros, tu mets ça là. Ouais, c'est pas mal. On peut réparer son armure et tout. Cool. On peut réparer que les armures du mois. Je découvre en même temps que vous. Ok, ok, ok. C'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va on va mettre la tenue de bandit. Pour explorer, ça va être quand même mieux. Parce que je vais tout simplement courir un peu plus vite. Et je saute super haut, j'ai l'impression. Attends, tu vas pas mourir sans mon autorisation. Voilà. Ça meurt, ça. Et toi, pareil. Un peu de voiture. Ouais, je cours tellement vite. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai un livre. Ah, j'ai pas lu. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, là? Lettre à faire parvenir au QG. L'avant-poste sud-ouest est enfin opérationnel. Le matériel peut désormais être acheminé ici et gardé en sécurité. Sécurité reviendra. Hein. L'opération de nettoyage de la zone sud-ouest de l'île va débuter lorsque nous aurons reçu vos instructions. Perte, 2 hommes tués, 6 désertions. Ah ouais, ça déserte. Ok, carrément. Carrément, ça déserte. Ok. Bon, écoutez, on en apprend un peu plus. Et... Bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on fera full exploration. Là, ce que je vais faire, entre temps quand même, je vais vous le dire, c'est que je vais retourner chez moi, je vais poser tout le stuff, je vais tout organiser. Je vais essayer de me crafter un grand backpack. Donc il va falloir farmer les moutons, farmer les chèvres. Bon, ça, on va pas le faire en vidéo, ça sert à rien. On va essayer de comprendre un peu plus dans la prochaine vidéo en faisant full exploration. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est tchuss tout le monde.